Il existe une vieille légende qui a été transmise de génération en génération depuis l'aube des temps, selon laquelle cette boule de cristal serait disséminée aux confins de la Terre. Nombreux sont ceux qui se sont lancés à leur recherche, car il est dit que celui ou celle qui, par son courage et sa ténacité, parviendrait à s'en emparer, posséderait un pouvoir incalculable. En effet, une fois réunis, les sept boules de cristal permettent d'invoquer le dieu du dragon. Tiré de son sommeil millénaire, celui-ci exaucera n'importe quel vœu avant de disparaître à nouveau dans les limbes, éparpillant sur son passage les boules magiques aux quatre coins de la planète. Qu'une enfant ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et alors? Allez, rends-moi mon arme. Qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a empêché de corriger la petite. Ah oui? Alors on joue les fortes têtes, mon gaillard? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Ces terres nous appartiennent. Pourquoi est-ce que vous détruisez mon champ? Ces terres appartiennent au roi, et les rubis dont elles regorgent nous donnent tous les droits. Ça répond à ta question? Ah, à cause de vous, le pays court à la ruine. Bientôt, on n'aura même plus de quoi nourrir nos enfants. Fichez le camp d'ici. Je vais t'accorder une chance. Si tu arrives à me battre, on s'en ira. Ça te sert de leçon. Au palais. Bien. Ça devient insupportable. Oui, il nous traite comme des chiens. Le roi ne respecte plus son peuple. J'en ai assez. Ça ne peut plus continuer comme ça. Thank you.
Votre auguste palais est trop raffiné, Majesté. Rien à faire. Je suis maudit. Je suis condamné. Je vais mourir de faim. Mon estomac ne peut accepter aucune nourriture si elle n'a pas meilleur en goût que le plat précédent. Toi. M'apportez-vous des nouvelles des boules de cristal? Oui, votre majesté. Nous venons d'en localiser une et nous devrions pouvoir nous en emparer sans problème. Tout espoir n'est pas encore perdu. J'ai déjà goûté à tous les mets les plus raffinés de la terre. Rien ne peut plus me satisfaire. Les meilleurs cuisiniers du monde ne peuvent pas apaiser ma faim. Seul le dragon sacré est capable de me guérir de cette étrange maladie. Il exaucera votre vœu. Ce jour-là, je saurai vous récompenser comme vous le méritez. Je suis prêt à donner n'importe quoi à celui ou celle qui pourra mettre fin une fois pour toutes à mes tourments en m'apportant les 7 boules de cristal. En route, et ne revenez qu'une fois votre mission accomplie. Dépêchez-vous, le temps presse. Quelque chose à mettre sous la dent. Et si je mangeais un petit peu de poisson aujourd'hui? Du nord-ouest. Mais alors si ça se trouve, ça veut dire que... Change de cap. Vire de 3 degrés, direction nord-nord-ouest. Bien reçu, objectif en vue. Ça, par exemple, j'ai jamais vu un oiseau aussi grand. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il se dirige tout droit vers ma maison. Ici, le seul être humain que je connais, c'est mon grand-père. Alors c'est comme ça, une fille? Oui. Oh, c'est la boule de mon grand-père. Hé, rends-moi ça. Elle est à moi, cette boule de cristal. C'est pas vrai, t'es une menteuse. C'est un cadeau de mon
possèdes une des boules de cristal du dragon. C'est quoi cette histoire de dragon? Je t'expliquerai, mais avant regarde, je suis sûre que la boule de cristal de ton grand-père n'a pas le même nombre d'étoiles. Mais oui, c'est vrai. Celle-là n'en a que deux, alors que celle que j'ai à la maison, elle a quatre étoiles du même côté. Pas de doute, c'est la boule numéro 4. J'aurais jamais cru qu'on pourrait s'en emparer si facilement. Allez, dépêche-toi un peu, il faut faire vite. Pourquoi? Je crains que quelqu'un essaie de voler la boule de ton grand-père. Quoi? Attends, elle est toujours là? Oh! Je comprends plus rien, il y a autre chose à la place. Quoi? Oh! Et en plus, ils se sont moqués de toi. Cette boule a beaucoup plus de valeur qu'une simple pièce d'or. Qui l'ont volé. C'est l'oiseau de tout à l'heure. Mais non, c'est pas un oiseau, c'est un avion. Ah bon? C'est quoi un avion? Bon, on va les prendre en chasse. Les prendre en chasse? Mais comment? Je sais nager, mais je sais pas voler. Attends, tu vas voir. Capsule numéro 5. Attention, recule-toi un peu. Allez, viens, on va les rattraper. Oh, mais c'est de la magie noire, je savais bien que tu étais une sorcière, j'aurais dû me méfier. Non, je ne suis pas une sorcière, dis donc pas de bêtises. Là où j'habite, tout le monde a des capsules comme ça. Bon, allez en route. Reste pas planté là, sinon tu ne reverras plus jamais la boule de cristal de ton grand-père. Accroche-toi, ça va secouer. Celle-là aussi, on va la donner au roi? Oui, je crois que ces rubis ont plus de valeur que ces boules de cristal. Au fait, je me demande où ils gardent les autres. On ne les a jamais vus. Quand on aura trouvé la dernière, il sera obligé de nous les montrer. Posez-vous tout de suite et rendez-nous la boule de cristal. On vous rendra votre pièce. Oh là là, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous dire quelque chose. Tu devrais leur répondre. Avec plaisir. On les a payés. En plus, ils ne sont pas contents. Je vais leur apprendre les bonnes manières. Et maintenant le coup de grâce. Avec ça, je suis sûre de faire mouche à tous les coups. On l'a évité. Et voilà, qui s'y frotte s'y pique. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Tu es vraiment petit et stupide, mais c'est fou ce que tu peux être utile. Qu'est-ce que je peux avoir faim?
Tu tiens la vie, tu dois m'épouser. Prends ça. Au secours, à moi, il y a un horrible monstre qui veut m'épouser. Tu ferais mieux de m'obéir, ma belle. Sinon, je te croque. Alors, tu veux bien m'épouser, ou non, hein? Ça veut dire quoi, épouser? Mettre que tes affaires boucheront. Pourquoi tu l'embêtes? T'as pas honte? Mon grand-père, il m'a toujours dit qu'il fallait pas s'attaquer à quelqu'un de plus petit que soi. Oh, mais il est fou. Et alors, tu veux peut-être te mesurer à moi, Vénus? Dégage avant que je t'écrabouille. Tu sais pas à qui je dois affaire, je suis d'une force colossale. Attends, avant que je m'énerve. Pas question, tu me fais pas peur. Quelle tête de pioche. Alors, et maintenant, t'es moins fière. Allez, prends toujours votre coup avant de finir au bain-marie avec le grand cric de croque. Oh, tu te moques de moi. Tu vas voir, ça va coûter cher. Moi, mais j'ai encore rien fait, monsieur. Et dites, entre nous, vous essayez de me faire peur parce que vous n'êtes pas fort du tout, c'est ça? Oh, petit inconscient, j'ai la réputation d'être l'homme le plus fort de toute la planète. Mais ça m'étonnerait. Ouais, comment oses-tu dire ça? Je te crois donc si fort, puceron. Je me débrouille pas mal, mon grand-père m'a appris les arts martiaux. Ah, et tu t'imagines peut-être que je vais croire sur parole? Eh ben, prouve-le-moi, essaie de casser cette arme si tu peux. Oh, c'est trop facile, y a pas quelque chose de plus difficile. Pour une demi-portion, t'as du tout perdre. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir vraiment que je file. Moi, je m'en vais. Je me suis encore fourré, moi. Il va finir par me rattraper, ce petit monstre. Il s'est encore transformé. Il est plus laid qu'avant. Bon, c'est ma vraie forme, ne dis pas de bêtises. Je suis un adorable petit cochon. Hein? J'aurais mieux fait de ne pas me lever ce matin. Oh, quel cauchemar! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi! Besoin de préservation. Notre réputation nous a devancés. Nous sommes les terribles bandits de la forêt. Hé, vous deux, si vous ne voulez pas quitter mon repère les pieds devant, il va falloir me donner tout votre argent, c'est compris? Mais pourquoi? Tais-toi, il fait ce qu'il te dit. Il est d'une cruauté sans pareil. Il est capable de nous passer à la moulinette. Il terrorise toute la région. Et alors, toi aussi tu terrorises tout le monde? Oui, et lui, il s'attaque seulement aux pauvres petites filles sans défense. Il est tellement laid qu'elles veulent jamais jouer avec lui. Ce n'est rien qu'un grand lâche d'abord, un sale foussard. Tu as dit que tu étais très fort. Oui, pourquoi? Tu verras. Et Yamcha, désolé, on n'a rien à te donner. Alors, va-t'en, sinon on te massacre. Tant pis, tu l'auras voulu. Tu vas finir dans la vitrine d'un charcutier. Bon, alors je te laisse lui filer une trempe. Pourquoi tu veux que je me batte avec lui? Il est méchant. C'est pas possible d'être bouché à ce point-là. Mais bien sûr qu'il est méchant. Il vient de dire qu'il allait nous tuer. Mais pourquoi tu veux nous tuer? On t'a rien fait d'abord. Ça ne devrait pas être permis d'être aussi bête. Attrape. Yeah!
n'est pas blessé. Tu vas me payer ça. En garde. Prépare-toi à mourir. Oh, j'ai une de ces fins. De décamper d'ici, ils ont des armes secrètes. Oh, mais il te manque une dent. Quoi? Attends, je vais te faire te voir. Ah! Ça y est, je suis défiguré pour la vie. On se retrouvera, je te promets. Hé, hey, Son Goku. Qui c'était ce grand jeune homme sympathique? Je le trouve vraiment chou, j'aimerais bien le revoir un jour. Ça alors? J'aurais jamais cru que t'étais si petit en réalité. Mais tu sais que c'est pas bien de faire peur aux gens comme ça. Faut vraiment être lâche. Mon Dieu, on va pas me faire un sermon, non? Et toi, tu peux me dire ce que tu faisais dans la forêt au beau milieu de la nuit? C'est une longue histoire. Je suis partie de chez mes parents parce qu'il faut que j'aille dans une petite île qui se trouve au sud. Je dois aller parler à un monsieur qui s'appelle Mouten Roshi. Mouten Roshi? J'ai déjà entendu parler de lui. C'est un vieux sage qui habite sur une île minuscule. C'est le plus grand et le plus fort de tous les professeurs d'arts martiaux du monde. Et je sais aussi que son vrai nom, c'est Tortue Géniale. Ah! J'aimerais bien le rencontrer, moi aussi. Et tu dis que cette île se trouve au sud? C'est curieux, c'est là que nous allons. Oh, s'il te plaît, sois gentil, emmène-moi, je t'en prie. D'abord, je veux savoir pourquoi tu prends autant de risques pour aller trouver ce Tortue Géniale. Eh ben, je veux lui demander de venir chez nous et nous aider à sauver mon pays. Sauver ton pays? Oui, on n'a presque plus de quoi manger à notre faim parce que le roi détruit tous nos champs pour trouver des rubis dans la terre. Des rubis? Qu'est-ce que c'est des rubis? Ce sont des diamants de couleur rouge qui ont énormément de valeur. Et qu'est-ce que c'est un diamant? Parce que tu peux être bête. Si tu veux, en gros, c'est aussi précieux qu'une des boules de cristal. Tais-toi maintenant, je ne veux plus t'entendre. Mais c'est pas juste, j'ai encore rien dit. Continue, raconte. Tout le monde sait que Tortue Géniale est très fort et je veux qu'il batte tous les soldats du roi. Depuis que le premier rubis a été découvert, la vie a complètement changé dans mon pays. Le roi est devenu très riche, mais rien ne peut le satisfaire. Il veut toujours plus de rubis et plus d'argent. Il a goûté des mets tellement délicieux qu'il est incapable d'avaler quelque chose qui n'est pas meilleur que ce qu'il a déjà mangé avant. Mais c'est monstrueux! Et pendant ce temps-là, son peuple meurt de faim. Parce que pour extraire les pierres précieuses, il détruit tous les champs, tous les pâturages et tous les vergers. On ne peut rien faire contre lui parce qu'il a formé une grande armée. Mon père a bien essayé de se révolter, mais on n'a aucune chance contre autant de soldats. Il n'y a que Tortue Géniale qui puisse nous aider. Mais il faut faire vite parce qu'il paraît que le roi est à la recherche des boules de cristal. Et s'il les trouve, il deviendra invincible. Il cherche les boules de cristal? Mais alors c'est peut-être ces soldats qui ont volé les boules de mon grand-père? Oui, sans doute. Et ça explique aussi pourquoi mon radar recevait de fortes radiations de l'Est. Voilà, je vous ai tout dit. Alors je vous en prie, aidez-moi à trouver l'île de Tortue Géniale avant qu'il soit trop tard. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Oui, bien sûr. J'aimerais bien mettre la main sur ces boules de cristal. Ça me paraît un peu compliqué, ton histoire. T'es sûr que ça va marcher? Mais oui, comme sur des roulettes. Fais-moi confiance. Personne au monde n'est capable de vaincre le grand Tortue Géniale. Alors je vais m'arranger pour qu'il se batte contre ce petit monstre. Et une fois qu'il sera hors jeu, je récupérerai toutes les boules.
Mais à propos, qu'est-ce que tu vas demander au dragon? Moi? C'est très simple. Je lui demanderai qu'il me donne la force de rester maître de moi en présence des filles. C'est pas une mauvaise idée, mais tu préfères pas quelque chose de plus ambitieux, devenir le maître du monde, par exemple? Mais qu'est-ce que tu racontes? La politique, ça ne m'intéresse pas, et l'argent, je peux en voler autant que je veux. Mais il faut que je puisse me maîtriser devant les filles. C'est le seul moyen de pouvoir devenir honnête et d'épouser une fille que j'aime. Oui, évidemment, la fin justifie les moyens. L'amour est au bout du chemin. Ah! Il n'en manque plus que deux à présent. Bientôt, je pourrai manger à ma faim et déguster les mets les plus succulents et les plus exquis du monde entier. Ça y est, on est arrivé. Eh ben, dis donc, c'est la plus grande rivière que j'ai jamais vue. Bon, tu le fais exprès ou quoi? C'est pas une rivière, c'est la mer. Bonjour, c'est vous, Monsieur Tortue Génial, n'est-ce pas? En effet, mon enfant. Tiens, regarde, c'est lui, le maître. Oh! Bienvenue à tous. Oh. Alors, c'est toi qui veux essayer de me tuer pour te faire une réputation? Tu es venu pour ça, c'est ça? Mais je te signale que ça ne va pas être du gâteau, mon garçon. J'ai peut-être l'air gâteux, mais j'ai plus d'affaires dans mon sac. Ce n'est pas vrai, monsieur. Je vous assure qu'il n'est pas méchant du tout. Il m'a sauvé la vie. Il n'est pas venu ici pour vous tuer, mais pour m'aider. Quelqu'un a dû vous mentir. Oh, tu as entendu ce qu'elle a dit? Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin. Ah, mais c'est toi qui m'as attaqué hier soir. Mais lui, c'est le pire de tous. C'est un brigand, un gredin, une crapule! Est-ce qu'il est mignon? Bon, j'aurais vite fait de savoir la vérité. Je vais vous mettre à l'épreuve. Une verron qui des deux avant ici. Nuage magique! Et qu'est-ce qu'on attend exactement? J'ai dû me tromper de direction. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le nuage magique qui permet de se déplacer n'importe où à une vitesse supersonique. On peut voler dans les airs avec ça? Ben oui, où veux-tu voler sinon? Non, moi je tiens à prévenir quiconque voudra l'utiliser qu'il y a un inconvénient. Seuls les gens dont le cœur est pur peuvent monter dessus sans se casser la figure. Observez bien que je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Oh. Oh là là. J'ai envie d'essayer. Oup. Oh. J'ai réussi. Je vais faire un petit bout. L'expérience est concluante. À présent, nous savons qui des deux a menti. Gredin, ils ont pris la poudre de scampette. C'est joli, non? Je l'ai trouvé au fond il y a à peu près une centaine d'années de ça. Oh! Il n'y a pas de doute, c'est une des sept boules de cristal. Vous pouvez me la donner? Je vois pas d'inconvénient. Merci. Attends, il y a une condition. Laquelle? Que tu me donnes quelque chose en échange. Je te la donne si tu veux bien me faire un petit bisou. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous, à votre âge? Et alors, j'ai besoin d'un peu de tendresse, moi aussi. Juste un petit bisou, quoi. Pas étonnant que vous n'ayez pas pu monter sur le nuage magique. Bon, d'accord. Mais vous me donnez la boule de cristal, hein? Quoi? Non, mais ça va pas. Pourquoi c'est moi qui devrais me faire embrasser? C'est à toi qui l'as donné la boule. Jamais de la boule, tu m'entends? Pas question. Je ne dirai plus jamais que tu es un lâche. Ah bon? Non, mais tu te moques de moi? Je suis beaucoup plus belle que ça. Ah, tout le monde peut se tromper, non? Attention. Alors, ça te va? Oh, c'est incroyable! C'est vraiment extraordinaire! Qu'est-ce que je suis belle! Avec une silhouette pareille, je devrais devenir mannequin! Alors là, tu rêves! Oh,
avoir ma récompense? Oh. Oh. Ça y est, je suis prêt. Je sais pas, je vais pouvoir te faire un petit bisou. Oh, je ne sais pas si je veux, vous savez, je suis très timide. Oh, rien d'y penser, ça me fait rougir. J'ai le cœur qui bat très fort. Oh, il fait boum, boum, boum. Boum, boum, il fait boum, boum. Boum, boum. Quand le chacun fait boum, boum. Bon, écoute, ça suffit, n'en fais pas trop tout de même. Quelle chance inouïe, les deux boules de cristal qui nous manquent sont au même endroit. Ah, jeunesse, que c'est bon de se sentir jeune. On a que la boule numéro 3. Je sais, j'ai manqué l'autre, mais on va profiter de la panique pour débarquer en force. Tout le monde au poste de combat. Faites surface. Ils ont complètement ratatiné ma maison. Alors là, ça va aller mal, hein. Attention, Son Goku, mets-toi à l'abri, vite. Difficile que la peinture à l'huile. Il m'a fallu 50 ans pour y arriver. 50 ans? Vous êtes encore plus fort que je le croyais. Vous êtes vraiment le seul homme au monde qui pourra nous aider. Hein? C'est pour ça que je suis venue vous voir, monsieur. On a besoin de vous. Il faut vaincre les armées du roi et sauver mon pays. Incroyable, il est vraiment doué. Bon, j'en étais sûr. Tu as fait tout ce voyage pour rien. Il n'a pas voulu t'aider. Écoute-moi bien, ma petite. Je ne peux rien faire pour toi. Je me suis retiré du monde. Je sais que tu dois être déçu, mais tu ne dois pas perdre espoir. Tu as des amis courageux. Je suis sûr que tu peux compter sur eux pour te donner un coup de main. Et si tu veux sauver ton pays, c'est à toi de le faire. Si ton cœur est pur et tes intentions honorables, tu finiras par faire triompher la justice et vaincre les armées du tyran. C'est en toi-même que tu trouveras la force et le courage nécessaire. Quand je pense qu'il est censé être très fort, on parle d'un dégonflé, oui. Allons, ne sois pas triste, on va t'aider à sauver ton pays, tu vas voir. On n'en fera qu'une bouchée des armées du roi. Bon, c'est pas pour sauver son pays, tu veux l'aider. C'est pour mettre la main sur les boules de cristal. En fait, je sais toujours pas pourquoi tu tiens tant à les récupérer. Qu'est-ce que tu veux lui demander au dragon? C'est dont rêvent toutes les jeunes filles, trouver l'amour de ma vie. C'est pour une bêtise pareille que tu veux que je risque ma peau. Non, mais tu es complètement cinglé. Ce n'est pas une bêtise. Et puis d'abord, je t'interdis de m'insulter. La prochaine fois, je te donne à manger au cochon.
Alors, savez-vous où se trouve la dernière boule de cristal? Oui, et d'après mon radar, elle se dirige droit sur nous. Elle sera bientôt entre nos mains. Parfait. Mon vœu va bientôt être exaucé. Préparez le comité d'accueil. À vos ordres, Majesté. Voilà le palais. Alerte, tous au poste de combat. Abattez-les sur le champ. On récupérera la boule de cristal plus tard. La dernière boule de cristal avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vais pas pouvoir tenir encore bien longtemps. On viendra chercher le reste tout à l'heure. Mais où est-ce que tu vas? Je croyais que c'était le trésor qu'on était venu chercher. Bravo, bien joué. Oh. Mais il y a encore des soldats qui arrivent. Vas-y, fais-leur peur. Pas de problème. Tu m'as fait peur. Bah oui, toi aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Eh ben, je passais par là. C'est pas possible, il est pas mort. Que personne ne bouge. Donne-moi la dernière boule de cristal, vite. Jamais de la vie. Eh bien, tant pis pour toi, tu l'auras voulu, ma jolie. C'est pas le moment de faire le pitre. Ah!
C'est le roi! Bah, je n'en peux plus. Ça va, Bulma? Je crois que oui. Il ne m'en manque plus qu'une, une seule, il me la faut. Sacré, mes pouvoirs ne connaissent aucune limite. Que l'un d'entre vous fasse un vœu et je l'exaucerai. Tirer de mon sommeil millénaire pour rien. Non, attendez, je vais faire un nœud. Oui, moi aussi. Le Ruby, le pays a été détruit et tous les gens sont malheureux. Je voudrais qu'ils disparaissent et que tout redevienne comme avant. Mais non, ce n'est pas possible. Tous les rubis s'envolent. Et les boules de cristal s'éparpillent aux quatre coins du monde. Merci, dragon sacré. Ah, adieu, beau prince charmant. Je vais finir vieille fille. C'est fichu, je ne me marierai jamais. Hein? Oh, je ne retrouverai jamais la boule de cristal de mon grand-père. Non, je meurs de faim. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Oh, mais c'est délicieux. Mais qu'est-ce que ça, c'est absolument exquis. C'est une pomme. Une pomme, dis-tu? Une simple pomme? Oui. Et à cause de ton ambition démesurée, tu as failli les détruire pour toujours. Papa! Ça, j'arrive pas à y croire. Oh, si seulement j'avais su. Tenez, je vous rends ça, c'est à vous. Oh. Nuage magique, où es-tu ?
Regardez-moi ces idiots. Je vais retrouver la boule de cristal de mon grand-père, même s'il doit parcourir le monde entier. Nous sommes sauvés. Au revoir. Si j'arrive à retrouver les 7 boules de cristal, je pourrai peut-être revoir mon grand-père. Don't